Ah ouais, voilà. Alors, Star Sector a planté, mais c'est bon, ça s'est relancé, ça fonctionne, ok. Si d'ailleurs quelqu'un peut faire la recherche. Et maintenant que je lance Star Sector, ça ne charge plus. Est-ce qu'on est échec et mat et est-ce qu'il va falloir que je redémarre tout le PC? Ah, si, ça y est, quand même. Quand même, quand même. Est-ce que quelqu'un peut rechercher sur Star Sector quel est le mode le plus pété? Je veux des vaisseaux qui fassent piou piou piou. Après, c'est peut-être moi qui suis mauvais. Hein. C'est sans doute moi qui suis mauvais. Après, c'est peut-être le début. Non, annulez ce que j'ai dit. Le Templar, quelque chose. Un vaisseau pouvait white tout, lol. Ok. Ok. Donc là, il faut que je bute... des clodo trade fit. Let's go. Faire full trader pour Stonks au début, puis ça part. Ouais, mais je pense qu'on partira là-dessus. Hein. Parce que moi, j'aime bien explorer, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pouh! Flotte non identifiée. Petite flotte Diable Avonix. Qui est un peu vénère. Hostile, poursuis ma flotte. 8 de danger quand même. Ah, vous êtes comme ça, vous. D'accord. Bien sûr, ça passe zéro. Bien sûr, ça passe zéro. Bien sûr, ça passe zéro. Je me fais mes fusillés, quoi.
propose, les mecs qui patrouillent Calominos, les exaltés, Glisse Canon, Suppression. Pure curiosité, hein. Je regarde juste. Hein. Je regarde juste ce qu'ils proposent en termes de vaisseau et tout. Ouais, bah rien de. Ah si, un phylactère, lol. Un tanker. Face Destroyer, Carrier, Light Cruiser. Ah, c'est un peu des poubelles leur vaisseau, hein, Momo. Je cherche la comment ça s'appelle. Ah. C'est pas eux, on est d'accord. Hein. Il va falloir qu'on se tape un petit peu des mecs de la machin Kingdom Fleet parce que. Apparemment, oui, on est obligé de se taper les deux autres vaisseaux, putain. Corps de la drill. Thank you.
sais même pas pourquoi je le déploie. Je sais même pas pourquoi je déploie ce vaisseau, sans déconner. Il a des missiles, mais zéro. Soutien, soutien. Il n'y a plus qu'à croire en mission miracle de Noël. Un gros coup pour upgrader ta flotte de gitans de l'espace. Bah oui, mais c'est mon gros coup, ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas et pas en train de soutenir? Pourquoi t'es mid-life? Pourquoi t'es isolé? Pourquoi, alors que j'ai dit, il fallait une escorte lourde? Mais putain! Bon. Escorte lourde, fils de pute! Ça veut dire il faut pas partir! Oh, mais je vous jure. Bon. Plan B. Ciel de maïs.
Okay. Allez. Voilà. Pourquoi tu vas si loin? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu heurtes tes potes? Mais... L'amour de Dieu. Bon. Attention la faciale! Recule! J'ai plus de points. Agressif. Il reste un sergent Hartman. Proceed with the deployment. C'est la traque. Destroy. Voilà, c'est bien.
ça booste. Il y a juste un petit tanker qui s'en est sorti. Oh, un prisonnier, grosse valeur. On prend tout. De quoi on est trop chargé. Et cette merde là, eh ben vendue. Ouh, des luxury goods, ça par contre c'est juteux. La bouffe. Ça vaut moins cher que le métal. Quoique. Quoique. C'est bon, c'est victoire. C'est bon? Ah, ils nous en veulent. Oh là là, et ça fait des émergences qui burn. S'engage. Où tu vas? Merci. Non mais Jean-Christophe, je crois avoir ordonné une full retraite. Hein. Sauf s'ils veulent la guerre. Ils sont en train de la voir. Retraite. Ah, je suis deg. Mais ils nous swarment avec plein de petites merdes. Ah. Il nous faut 10 000 petits vaisseaux, putain.
Ah, ce qui arrive quand il n'y a pas de carrière. Les petits vaisseaux ont été nerfs à l'infini, tu le sais ça. Les carrières ont tous été nerfs, ils ont genre perdu. Chacun, ils ont perdu deux hangars si tu veux. Au moins ça c'est fait. Arrête de faire ta mijaurée! Il a le meilleur armement de toute la putain de galaxie. Voilà, merci. Enfin. Repars pas en retraite. Enfin! Putain. Tu vas où? Voilà, merci. Abattez-le. Par pitié, abattez-le. Merci. Par pitié.
se casse. Engage. Ne vous regroupez pas, engage. Non, je suis deg. Ah, oh, mon saut de traverse qui n'est jamais passé alors que je l'ai fait. Combien de temps ça met à faire un saut de traverse? Pourquoi ça prend une semaine? Ah! Ikevoras! Tout est possible. Tout est réalisable.
La faciale de maïs. Putain. Sandril. Bon. C'est le combat de notre vie. On réfléchit plus. Butez-moi ce bulldog là. Machin qui se prend pour un bulldozer, il meurt là, direct. Allez, on réfléchit pas. On fait tout ce qu'on a dessus. Voilà, les petits, les petits vaisseaux, la race, tout. Vous l'agressez. C'est bien. Deuxième vaisseau à mourir, celui-ci. Retraite. Troisième vaisseau à mourir. Comment il a été détruit? Parce qu'il s'est dispersé. J'en ai marre. Il n'y a pas un mode qui leur dit, c'est simple, vous visez tous la même cible, vous mettez tous au même endroit. Il n'y a que comme ça qu'on est fort dans le jeu. De retraite. Pourquoi tu me parles de retraite? Pourquoi t'es au zéro de vital? Le poutou! C'est toujours le poutou qui se fait baiser. Changeons de stratégie. Tu me mets là. Vous mettez là. Vous mettez là. Tu te redéplaces là.
revenir. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis mort. J'ai bourré la touche F. Jamais j'ai fait les esquives. Impeccable. C'est les vaisseaux qui rament. C'est la pire des choses. En plus, il se suicide même pas. S'il se suicidait à la rigueur, oui. Mais même pas. Hein. Bon, ça va m'énerver. Il va falloir qu'on calcule. Même stratégie que tout à l'heure. Retrait. Engage fighters. Quoi, t'es devant, je t'ai dit de rester derrière. Putain. Une manœuvre d'esquive surtout, hein, ce serait dommage. Voilà. Pas forcément à vaincre, on cherche à gagner, c'est tout. Voilà. Je peux
plus donner d'ordre, mais à partir de là, il devrait commencer à baliser, je pense. Un peu. Ils sont en retraite. Ils sont en retraite. De toute façon, c'est ce qu'on voulait. On voulait juste gagner des points. On prend tout. Mission accomplie, sauvegarde rapide. Ils esquivent le contact. Saut de traverse à l'arrachasse. Salope. Allez, we're out. Ouh. Pouf. On y est. Allez. Hop. Voilà. On va avoir une station de l'UNSC de Halo. Avec de la chance, on peut récupérer un vaisseau un pilar au photon ou un truc comme ça. Bon, je doute, mais... Voyons voir. Des armes finalement somme toute très classiques. Du matos, marché noir, caisse s'avance avant d'autres armes. Qu'est-ce que c'est que ça? Hyper velocity canon, c'est fou ça. Très très bien ça. Bon. On vend tout. Pas le savoir légalement. On vous achète des vaisseaux. Que proposez-vous? Light frigate, support frigate. Rien du tout. Et marché noir, halbarde. Voilà. Marque 2 Dual Mac, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air fort. Putain, l'Atlas, il a 2000 de cargo capacity, quoi. Ah. Par contre, maximum burn 6, hein.
après j'ai un point. Quelle est cette buzz? Ok. Eh ben, attrapez-moi si vous pouvez. Acheter au black market, mais du fioul ou de la merde, ça va, c'est illégal. Je peux fuir de là ou pas? D'accélération comme ça, à frais. C'est bon, je me suis tiré. Avec tous les vaisseaux. Oh, quel enfer. Ouais, mais c'est dégueulasse, ça commode. Ouais. Tant pis. Ça valait pas la peine de se battre contre des gugus qui s'énervent pour rien. Alors, quelle était notre mission suivante? Voilà, c'était là.
Faire le survey quand même, ouais, c'est bon. Rendez-vous avec vos vaisseaux de merde. Mourez, vous m'ennuyez. Très bien. De viser les petits chasseurs avec tes armements principaux. Il faut vraiment que je change de... Ça m'en fout, hein. Vraiment le pire pilote de la galaxie, hein, cette femme. Allez, chassez-moi ça. Pourtant, le vaisseau est bon, hein. Le vaisseau est fantastique, hein. Il a les meilleures capacités de toute ma flotte. C'est juste... pour afficher les grosses informations sur un ennemi. C'est pas clic droit. Il y avait un moyen de loquer un ennemi et de faire en sorte que tout s'affichait à son sujet et que ça restait. Je me souviens plus. Et il faut en finir avec son bulldog là. Qu'est-ce que tu fais toi? Quel est le plan? Quel est l'objectif?
vaisseau. Il sort de la merde. Tout ceci, on récupère tout, on se casse. On a juste pas assez de gens. Okay, très bien. Monde bombardé. Rien du tout, putain. Zermi. Ça, c'est la station pirate, c'est pas la flotte que je recherche. Je tombe sur la station spatiale, mais c'est un manque à pas de chance. Oh la vache. Qu'est-ce que vous venez me faire chier ? Thank you.
réussir. A été détruit. Bon. Ça, ce que tu fous ? Putain, quel enfer ! Thank you.
chasseurs, tu vois, mais on peut leur faire peur. L'objectif, c'est de les convaincre de battre en retraite. Pour ça, il va falloir encore les molester un peu. Si on arrive à faire tomber ce vaisseau porteur, on arrivera à leur faire peur, je pense. Je croyais qu'on avait réussi à les flipper. L'assaut, faut y aller les mecs là. Allez, allez. Mais je sais que je suis un peu trop bourrin et que moi je m'avance un peu trop toujours. Mais là, ça devient insupportable. La lâcheté. Si tu vas attaquer celui qui peut plus bouger, moi je veux bien. Fais juste quelque chose. Fais juste quelque chose. Mais par pitié! Plus jamais je prends autre chose que des suicidaires. Parce qu'au moins les suicidaires, ils attaquent, tu vois. Je crois qu'elle a été raisonnable. En plus le chat a chié, je reviens. On y est toujours ? On y est toujours ! Mais faut peut-être tirer avec tes vraies armes aussi ! Il va mourir.
qui attaque avec Citrest. Il te reste plus rien, n'est-ce pas? Mais pourquoi ces swarms missiles? Ils peuvent pas partir en ligne droite! Je demande des missiles de saturation, j'ai littéralement des feux d'artifice! Pitié! Pitié! J'ai 5 vaisseaux, il y en a un qui sert à quelque chose, et la moitié du temps il attaque pas! Disengage, disengage. Les missiles swarm avec les missiles antimissiles de ton croiseur. Non, 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 c'est vraiment les missiles swarm. C'est les feux d'artifice, c'est la pipi pipi. C'est Shangyu. C'est la Chine. Oh putain. Je vais en faire. Ils m'ont raté. Ah ouais, bah moi aussi je peux. Mais où est-ce qu'elle est? Bon, pour où j'en suis, hein?
point où j'en suis, j'ai plus de supplies de toute façon que je... Ouais, ouais, bien sûr. Cautious, c'est interdit ça. Steady, c'est valide. Ah non, non, je veux pas claquer mes story points. Non, mais écoute. Tel qu'on est là. 4 jours remaining, j'aurai jamais le temps. On se casse. Voilà. On se casse, version vanille. Matos de réparation, mais c'est pas grave. Survivez 3 jours. On est bientôt arrivé. Flotte qui est hostile. Pour amour du Christ. Des pirates. Ah d'accord, je peux, d'accord. D'accord, et je peux appeler personne à l'aide. Genre, il y a 5 patrouilles de tout à côté. Zéro problème. Très bien. Jorte des, comment ça s'appelle? Oh non! Au secours! C'est bon! Tout! 48 000 balles vendues. Je veux plus en entendre parler.
Réparer tout. 177 supplies, nique ta race. Putain, tout mon pognon qui est parti là-dedans, quoi. Décidément, hein. On n'y arrive plus, ma bonne dame. On n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Victoria, un destroyer, qu'est-ce qu'il propose? Un médium hybride, deux small hybrides, deux small missiles, quatre small ballistiques, ça a l'air de la merde. Un siège canon, c'est quoi ça? La paix! Oh putain. Nous foutrons jamais la paix. Ciao les nullos. Maintenant que vous avez bien claqué des morgeurs cyber et que vous êtes bien baisé.
Bouk, bouk, bouk. Rentre-lui dans le cul. Parce qu'elle l'a abandonné au combat, je la passe par le sas. Je me bats les couilles qu'elle soit level 6. Je la passe par le sas. Alors regarde ça, elle gagne face à une barge lourde. Les calculs sont bons, Kevin. Qu'est-ce que tu fais à 9 km? Débarrasse de ce petit fou l'assaut. Battez-vous. Oh non. Oh les deux missiles de canon à ion.
pensais qu'on pouvait gagner face à cette force, mais apparemment non. On n'a pas réussi à descendre leur vaisseau mère, et à partir de là, c'était la bite. Pardon ? Pardon ? Je croyais avoir donné des ordres clairs ! Mais c'est pas vrai ! Et ça, ça me rend fou, ça. Quand les ordres sont clairs, et que personne ne les suit, c'est génial. Ah, ils nous ont séparés en deux. Reste là, prends toutes les attaques, pas de problème! Ne repositionne pas, essaye pas d'atteindre l'objectif. Non, it's ok, je comprends. Enfin, est-ce que vous allez vous plonger, voilà, merci, dans les ordres que je vous ai donnés? Non, parce que c'est pas qu'il tient la route, mais il tient la route, hein. La peinture a été un peu rayée, quand même, hein. Oui, ce serait un bon moment pour la cavalerie, là. Qu'en pensez-vous? Bon, il servait à rien, de toute façon, clairement. Quand je vois cette frégate Diable Avonique, je me dis que 10 en fait, ce serait incroyable. On n'a besoin de rien d'autre. Putain, on a besoin de rien d'autre! Si seulement elle n'était pas contrôlée par une lavette! C'est prodigieux, il se fait arrêter par lui! Je te donne l'ordre! D'attaquer ce gars, pourquoi tu tiens compte de ce Pégu? Tu vas là. Tu vas obéir ou pas? Ou c'est négociable? C'est négociable. We'll be right back.
Quelle est la psychologie de ton officier californien? C'est-à-dire sur le spectre des 52 sexualités, on est entre la 48 et la 49e si vous voulez. Clairement, dans son vocabulaire, l'hétérosexualité, c'est un truc quand t'as deux yeux d'une couleur différente, en fait. Pour l'amour de Jésus. Par pitié. T'as zéro de flux! C'est peut-être le moment d'attaquer! Ah, pour l'amour de Dieu! L'autre, il est dans les cordes! Il a du hard flux jusqu'aux oreilles! Ne laisse pas vanter sans attaquer, je t'en supplie! Je peux pas le contrôler manuellement, il est contrôlé par cet officier réglementaire avec ses talonnettes réglementaires et sa petite écharpe réglementaire. Ok, très bien. Donc, on va y arriver. Hein. Zap. Station de minage. On explore. Oh oui. Et même un gamma corps. Super. Thank you.
Tout va bien. Tout va bien, on ose croire, on ose espérer. Alors là, il y a plein de merde qui se balade. Salvageon, salvageon. Alors, ultra riche, rare ore deposit location. Ça va bien, ça. Peut-être une belle découverte, ça. Il y a peut-être quelque chose à en faire, non? On peut re-salvage, là? Wyrm, Jungle World. Hey, on n'a pas assez de gens. Merde. Il y a des survivants qui nous disent bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, étranger. C'est longtemps que pas mal de gens sont venus dans ce secteur. Où est-ce que vous avez eu ce vaisseau? Est-ce que Half-Life 3 est enfin sorti? Très bien. On accepte. Elle nous a demandé poliment si on pouvait bombarder l'endroit en échange de quoi elle nous filerait des ressources. Bien évidemment, trop heureux de rendre service, nous avons bombardé l'endroit. En tout cas, ici, il y a un Jungle World. C'est pas mal, ça. Barren World et Tundra World. Merde, c'est pas de la merde, ici. Hein. Il y a deux emplacements, en plus. Bon, bah, faisons la surveille. Ok, classe 1, c'est de la merde. Ouah, qu'est-ce qu'on est tombé? On est tombé sur un Hellsurf Gear, un Fleet Carrier qui est déglingué et un catamaran Combat Eagle. On récupère tout. Après, on les modball. Regardez les 10 modes au moins. Non, non, mais je les ai modbolés pour l'instant. Pour l'instant, ils ont rien, si tu veux. Donc, modbolé ou pas, ça change rien. Il y a notre vaisseau là. On peut juste récupérer, ok. Eh ben, alors, habitable, froid, grosse activité tectonique, pas mal d'organique, moderate, adéquate farmland, scattered ruins et pollution, dommage. Mais c'est une classe 5, hey, pimp. Explorons les ruines. Oh, Flooded Injector, ça fait quoi ça? Ah, permet au zéro flux speed boost de prendre effet quel que soit le niveau de flux. C'est bien ça pour les gros vaisseaux extrêmement rapides. C'est même très fort. Surchargé de capacité, merde. Eh ben, j'ai trouvé 10 milliards de bouffe, ouais, ok. Tant pis. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Hatchetman. Overdriven Cutter. C'est de la merde. On récupère ce qu'on peut et on se casse. $70,000, ça c'est gratuit. Un drame. Le vaisseau s'appelle un drame. Masse de fuel, c'est bien ça. Je pense que c'est des récupérateurs, à mon humble avis. Ok, il y en a du merdier dans cette région. Putain. Et des organiques, qu'est-ce que c'est? Light Machine Gun, Salamander MRM. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce système. En tout cas, ce système, il a été juteux. En plus, il y a même une ville jungle et tout. Non, c'est un truc de fou. Par contre, c'est inquiétant. J'ai apparemment littéralement pas assez de fuel pour rejoindre la civilisation. Ici un ultra riche or déposite machin chose. Et bah écoute, c'est quoi? On va partir en exploration. Puisque de toute façon. Weapons cache, des armes. Frégate de combat, ce truc, apparemment.
serait intéressant si on pouvait le faire fonctionner. Est-ce qu'on a le moyen de le mode balai? Oui, on a le moyen de le démode balai. Ok, d'accord, donc il faut juste qu'il soit réparé. Et qu'on l'équipe correctement. Micromissile, Reaper Class. Light Needler, Light Machine Gun, Light Machine Gun, Light Machine Gun, j'ai rien d'autre. C'est lui qui augmente le fuel, l'utilisation du fuel de 50%. Timide. Voilà. Timide. Comme ça au moins il aura le petit vaisseau. Apparemment, il y a une flotte de choses là. C'est juste des débris. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette folie? Il y a trois vaisseaux qui sont récupérables. Alors, assaut Militarized Racer. Ouais. Civilien de transport, civilien de transport. Il a des ravageurs modèle 3. Oh, il a des ravageurs modèle 3. Oh, il a deux ravageurs qui sont montés dedans. Mais c'est du génie. Par contre, damage weapon moons, hein, donc il va être assez limité. Il dégrade les light support. Oh, ça aussi, par contre, il a chié. 5000 de flux capacité. Pas d'armes. Il a pas d'armes, il a juste deux ravageurs à l'avant. En mode salut, c'est la mairie Sainte-Hélène. Nous avons décidé de brouk. Alors c'est sûr que ça me coûte plein de supplies a day le temps qu'on répare toute cette merde, mais. Il a viré l'autre cruche. Elle pilote pas de vaisseau, je pense.
Alors si elle doit piloter un vaisseau, c'est celui-ci. Hein. Si, si, elle pilote le petit, elle pilote le petit. Alors, perform survey, 50 consumed, let's go. Juste de l'or déposite, c'est de la merde. Très bien. On aurait pu croire, on aurait pu espérer, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Des ressources, oui, mais des panzani. Petit scan. Sauvegarde. Histoire qu'on se fasse pas baiser la chatte. Là, il n'y a rien ici. On surveille. Oh, des grosses ruines. Quelle chance, quelle chance, quelle chance. Oh mon dieu, le Wanzer. Wouah. Je peux faire moi-même les vaisseaux de Diable Avionix. Prenez tout. Posez tout. Voilà. Quelle chance. Bon après il me faut une colonie, il me faut une économie, il me faut des tas de choses en fait. Des choses que je n'ai pas. Marines. Il y a beaucoup de choses là. Rien à récupérer, malheureusement. Lieutenant Thomas Hopkins, level 5, a rejoint notre flotte. Fantastique. Mais qui est là? En quelle année on est? Trop tard. 17 crew. Yay. D'accord. Donc de ce que j'ai compris, il y a des vieilles portes spatiales qui mènent à l'ancien monde dans lequel tu peux pas t'installer en colonie parce que ce n'est qu'un aller simple en fait. Le retour ensuite détruit le portail et détruit l'espace que tu visites à jamais. Mais apparemment c'est la moulaga. Faut y aller avec 5000 de fuel. Et faut pas y aller avec une bite en carton parce qu'apparemment il faut y aller avec les couilles vides.
mais les bras pleins si tu veux. Un habitat orbital fort. Explorer tout. Ouh, un blueprint de la Légion Infernalis. Une IA. Des armes lourdes. Habitable ? Hot, toxique atmosphère, pas du tout habitable. Très bien. Pas habitable du tout. Il y a quand même quelques ruines, très bien. Ouh, corrupted nanoforge. Pas mal ça. Des transplutoniques sa race. J'abandonne un peu de machine. Ah ah. Chose là à gauche. On scavenge. 5 personnes sont mortes durant l'opération, vous m'envoyez contrise et navrée. Pas mal, pas mal. On a 555 de fuel, est-ce que ça nous ramène dans des pays civilisés ou pas du tout? À peine. Bon. Il me semblait que dans cette constellation-là, il y avait des trucs aussi intéressants. Quelque chose juste à côté du trou noir et c'est ultra stylé par contre cet endroit. Oh là là là. Station de recherche où on peut récupérer des choses. Un Ox, ok. Un Mercury Shuttle. Un Susrat Combat Freighter, c'est pas mal ça. Dégradé de shield, compromisé de storage. Eh ben ouais, ça par contre on est bien. On joue la récup. Des armes. De la technologie. Prends tout. Sors du trou noir. Ouh. Là. Ah, j'ai pas assez de gens. Putain, 500 personnes, ça rend le minimum pour faire quoi que ce soit. Sauvegarde, c'est vrai. Surtout que je me balade avec deux corps, deux AI corps complètement illégaux. Alors, attends, voyons voir. Est-ce que je peux sortir? Très bien. Donc ça, c'est des vaisseaux machin. Jalus de vache, je m'en fous. Ok, qu'un transit active gate, très bien. Assault package.
augmente l'intégrité de la coque de 10%, l'armure de 5% et la capacité de flux de 10% et va essayer de se battre comme si c'était un vaisseau de combat. Très bien. Shield de conversion, d'accord, c'est pour les boucliers omnidirectionnels et les transformer en boucliers frontaux. Équipement de surveillance. Oui. Heavy armor. D'accord. Fourteen Battle Group Blue Ship Patage. Très bien. Excellent. Corrupted Nano Force, c'est fort. Acclamator. Ok. Blind Wing. Ok. Avalanche. Diable avionique. Ah, je connais déjà, putain, le mec, trop de technologie. Trop de technologie. 5 millions de crédits pour le Battleship Blueprint, Bob. Bah, trop tard, je l'ai appris. Je l'ai mangé. Oh non, non, non. Si ça valait 5 millions de crédits, c'est qu'il fallait que je bouffe. Putain, on peut atteindre Moloch de rien. Et on va passer au milieu de 10 000 tempêtes de Fion. Danger high, ok. D'accord, ok. C'est quoi ce système avec 3 soleils rouges jumeaux? C'est stylé quand même. Allez. Pars pas trop hors course. On devrait avoir le jus. On a le jus. Bidi bidi. Pouah, c'est quoi ce système? Alors là, il y a un truc orbital de pirate. Ce serait bien si on pouvait aller chez les pirates, acheter tout illégalement, en profiter, tu vois. Et fournir. Histoire de faire un peu de gains. En espérant qu'ils m'attaquent pas à vue. J'ai coupé mon transpondeur. Il appartient à la Légion Infernalis. Et la Légion Infernalis veut pas me parler. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils vendent ici à les jeux Infernalis? Recovery Shuttle, d'accord. Reduce supply use for maintenance fuel, j'ai minimum crew required à 20%. Ah, d'accord. Ah oui. C'est très bien ça, on va le prendre. Attendez une seconde. On va le prendre. Insulété d'angine. Hop. Pour les missions Metal Gear. Je confirme. Marché noir. En même temps, toutes ces armes, pour l'instant, je souhaite les garder. Hyper Velocity Cannon, ça aussi, tu vois, tous ces trucs. 30 000 balles l'unité, le classe 5 Survey Data.
pas tant de différence que ça. Et il faut tenir en compte que le fait d'acheter les choses légalement, c'est bien aussi. Par contre, c'est plus rentable. Escort package. Augmente la manœuvrabilité de 10%. D'accord, non. Converted hangar. Non, c'est nul. Insunilité des engines. Non, ça, on l'a déjà. Fant Swarmer. Goal Overcharge Cannon, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous vendez comme vaisseau ici? Pas grand chose, d'accord. Une petite corvette et puis c'est marre. Hein. Un concierge, ok, d'accord. Vous vendez que chi, ok, très bien. Alors, le Elsewhere. Ça c'est bien. Des oigombongo partout. Et enfin les fighter base, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors Plague Super Fighter. Des bombers. Ok. Goo Navy Fighter. Luxe et Fighter, Piranha Bomber, des Strife 6 Wanzers. Ah, ça envoie des Gundam, je me souviens de ça. Erasmus de Saturation, Phalanx et Fighter, Talon, Drone Interceptor.
Il Interceptor, c'est très bien. Ça fout la merde. Ensuite, on va mettre les Gundam. Les Gundam. Les Heavy Fighters. Les Lux Heavy Fighters. Et enfin, le Plague Super Fighter, je sais pas ce qu'il vaut. Avec ça, on a dégradé l'énergie de ma Function Income. Fighter 1 à 40%. Fighter Speed, résine. Putain. C'est de la merde hein, ce vaisseau. Ce vaisseau c'est de la merde hein. On investit. Alors, on a décidé de s'investir. Fais voir une simulation. Simulation face à un vaisseau de merde. Ouais, en l'état, il n'est pas prêt. Ça, c'est un Strike Combat Factor. Combien il a de cargo? 300. Et si je mets Expanded Cargo Hold, combien il a subitement? 390. C'est pas très... Ah, il peut transporter des vaisseaux lui aussi. Mais alors le drone interceptor, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Surveilling équipement, c'est super ça. Voilà, très bien. Et pour tes armements, les annihilators, c'est moins cher que gratuit. Voilà. De toute façon, t'es pas censé aller à la baston. Lui, par contre, est-ce qu'on peut lui mettre une vraie arme? Boingo, point defense, très bien. Le câble, lui est très bien. Lui, il fait ce qu'il peut. Très bien. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose, lui? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de lui? Enfin! Tenter d'en faire quelque chose. Et enfin, Jack Combat Drone.
sont très bien ces combats de runes. Hein. L'état. Voilà, en l'état. Maintenant, oh putain, il nous faut 3000 personnes. On est en crew under strength, donc c'est sûr qu'il nous faut des gens. On va devoir acheter tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut en fuel aussi. Donnez-nous tout. Voilà. Mais maintenant, on a aussi un vaisseau de vrais petits garçons, et ça, c'est bien. Nether, réparation society me l'achèterait à plein prix. Ouais, je peux le vendre aussi ici. Ouais. Elle est vendue. Et qui m'achèterait ça là? Nether aussi qui m'achèterait ça à plein prix. C'est bien ça. Nether, ils ont besoin de plein de trucs. Tant mieux, tant mieux. Impeccable, impeccable, impeccable. Je viens donc de faire tous mes achats avec toutes mes excuses et donc maintenant on peut se rendre à Nether. Open the com directory, quartermaster, station commander. Ah oui, la légion infernaliste qui ne m'aime pas beaucoup. J'aimerais vous donner tous ces aïcores que j'ai trouvé. Regardez. On a gagné un point auprès de la Légion Infernaliste, très bien. Qui me veut lui? Non. Qui me veut elle? Plus. Très bien. On n'a pas assez de crew encore? Oh, on est toujours under strength. Pouah, quelle angoisse! Putain, on est 1000 quoi! Bon, fort heureusement. Réactive le transpondeur, sinon les gens en face ils vont prendre ça de manière agressive, je pense. Ah merde. Ils ont pris ça de manière agressive. Non mais il est juste trop détruit. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors du coup, on désactive le transpondeur. Raté.
activé. Ok, Dieu merci. On peut réparer nos vaisseaux pour 96 supplies. On peut vendre tous les transplutonix pour 60 000 boules, ainsi que l'acier. En échange, on peut acheter 135 000. C'est beaucoup de supplies, hein. Avoir 300 supplies déjà, hein, pour 30 000 balles, c'est cher. Merci. 100 000 balles de mec pour pas être understaffed. Vous en prendre 10 000 en légal et 200 au noir. Merci, voilà. En fait, je vais tout prendre au noir. Voilà, très bien. Ensuite, à partir de là. 40 000 dollars ça, mais elle est pétée la coopté de Nanoforge. Je vais la garder. Quelqu'un m'en donnera bien quelque chose, va. Pas de soucis. Arrêtez des organes, non. 48, 42, 400. C'est cher ici. Tout est cher, tout est cher. Makeshift Ship Generator. Générateur de bouclier fait à l'arrache. Ensuite, en termes de bateaux, qu'est-ce que vous vendez les enfants? Ces espèces de bateaux bleus étranges, hein. Ouais, ouais, ouais. Un vaisseau Diable Avionics, un Q-Ships. Médium hybride, deux médium missiles, quatre small hybrides, c'est de la merde. C'est de la merde à un niveau de profondeur qu'on a encore jamais vu. D'accord, bah c'est nul. Excellent. Réparer nos vaisseaux toujours, 15 supplies. Il y a un mec qui veut que je livre un AI Core, sauf que c'est un peu risqué. Il m'agresse pas, hein. Ça va pas m'en vouloir. Alors lui, il a l'air de m'en vouloir. Going dark, lol. Ça a l'air de cette vue que j'ai fait du marché noir. Ah. Et ils m'en veulent. Thank you.
vas comme ça, toi? Des risques pour rien. D'accord, mais remarque qu'il est steady, lui, donc il va leur casser les couilles de manière bien, je suis sûr. Oh la vache! Il y a des Gundam, hein. Littéralement, c'est des robots géants, les mecs. Quand tu te bats, toi, ça bourre. Ça se passe mieux, hein. Oh putain, lui par contre il est dans son Gundam, il a passé la troisième. Le mec il joue à Probotector. Il joue à Macross. Robotech. Il part tellement loin, il est tellement parti. Comment ça se passe ici? De s'en sortir très bien, lui. Regarde ça, il est beaucoup plus lucide. Merci. Oh là là, il est sublime. Et ce vaisseau là, avec son petit rayon plasma là, pion pion. Voilà, et surtout les deux trucs d'agression. Très bien. Ça y est, on commence enfin à partir. Il leur a juste fallu le temps. Soir, mets-le. Où est mon... Ah, il est là. Suppression Cruiser. Fais voir. Un peu de la merde. Hein. Attaque frigate, combat destroyer. Bon, non. Je pense qu'il n'y a rien à récupérer. On récupère juste tout ce qu'on peut. On prend tout. Merci d'avoir joué X.